Sugiharu Fujita est le plus grand peintre franco-japonais. Il est devenu français en 1955 et s'est converti au catholicisme peu après. Depuis quelques années, je suis français. Maintenant, cette fois, j'ai fait des cérémonies de baptême. J'ai senti encore davantage que tout près de français. La vie de ce peintre est un constant aller-retour entre le Japon et la France. Arrivé à Paris en 1913, il rejoint le quartier des artistes à Montparnasse. Influencé par les proportions exactes d'Ingres, Lénu de Renoir, le travail de Rembrandt, Fujita développe un style unique, inclassable et puissant. Les célèbres modèles comme Kiki de Montparnasse ou Aïcha posent pour lui. Son traitement des corps renvoie à l'image des nus japonais. Sa muse, Yuki, égérie des années folles, devient son modèle pour un célèbre tableau, Yuki, déesse de la neige. Il le présente en 1924 au Salon d'automne, une authentique déclaration d'amour. Après deux décennies au Japon, il revient en France, au lendemain de la guerre, et prend alors le nom de Léonard Fujita. Il réalise ensuite la chapelle Notre-Dame de la Paix, dite chapelle Fujita, à Reims. Léonard Fujita a métissé ses racines japonaises et les avant-gardes françaises pour s'affirmer comme un artiste unique dans le patrimoine français.